Always there for the example. That's why we keep you around. No, yeah, so please do try to catch your seat as you get up, if possible. And all right, so this session is going to be on a comprehensive overview. Alors, cette session serait sur un aperçu général de l'analyse de la plateforme web et de la plateforme Android. Elle sera faite par Nancy et moi-même. Vous verrez qu'il y a plusieurs fonctionnalités dans le web et on veut s'assurer que ces fonctionnalités se retrouvent également sur la version Android autant que faire se peut parce que nous savons que nous avons les mêmes utilisateurs finaux qui utilisent dans la version Android pour Analysis. les Now, who is that end user? We can think données about, et say, utilisent également le web pour outreach faire workers, les maybe even données district. et faire les analyses. Of course, you have lots of other programs. Alors, il y a les travailleurs dans le domaine de la santé. We're all hoping that we can empower Hier, more data analysis at lower levels, right? We want the people who are closest to the action, who are actually performing the interventions, to be informed by data. We want more decentralized data use and decision making. And so a big part of that is understanding what are the data analysis needs, making sure that those are available on the web, and then also putting it more directly in the palm of their hand. And having that same data analysis being supported on the Android device as well. Okay, so what are we going to do? How do I move it? Click. Oui. Help. De... I think I made it. I think I got it set up for you, and then you just came in for the win. Just cherry picking it next to the goal. All right. So the goals for the session are first to highlight the functionalities on the web and Android Alors, analytics. notre but pour cette session, c'est d'abord de souligner le les fonctionnalités de l'analyse web et de l'analyse Android. C'est la première fois que nous faisons cela. L'équipe Android fait beaucoup plus que ce que nous faisons. Et nous essayons d'avoir le plus de fonctionnalités possible également sur l'analyse web. Nous voulons démontrer également comment faire des analyses sur le web qui peuvent être utilisées sur l'appareil Android. Et également illustrer les différences entre les fonctionnalités du web et celles d'Android. Donc, si vous faites des analyses sur le web et vous voulez qu'on l'utilise sur Android, il y a des analyses qui ne se feront pas voir. Super. Alors, je vais faire un petit rappel sur l'analyse web. Ce n'est pas la mise à jour du 41, mais je vais vous donner ces informations sur l'analyse web. Ensuite, on fera la démo. Share, stop sharing. Can I move this over here? Or should I move this? Okay. Can you open here? Share that screen. And you can move this screen here. Nice. All right. I'm going Alors, to go in a little bit reverse order here. on va essayer de commencer par l'application de cartographie. Levez la main si vous utilisez de manière active l'application de cartographie. Il y a certains qui ont levé la main, mais pas tout le monde. Et je crois que c'est problématique parce que c'est l'application d'analyse est la plus répandue que nous avons maintenant. Maintenant, on peut même ajouter les fonctionnalités dont vous avez le plus besoin. Donc, nous utilisons la cartographie. On va essayer de choisir quelques fonctionnalités intéressantes de l'application. Ceux qui utilisent l'application de cartographie, combien de vous avez relié ça au GPS Google? Si vous avez des problèmes à le faire, venez me voir, je vais vous aider.
Ce que nous avons maintenant, c'est une bonne coopération avec l'application de GPS de Google pour pouvoir entrer plusieurs données de recherche parce que notre cartographie prend en charge les données venant de plusieurs sources, les données venant de Facebook, de NASA, de la NASA et plusieurs sources de données utiles. Je vais vous montrer quelques-uns parce que nous avons tellement de sources. Je vais parcourir juste quelques-uns. Le premier, c'est le groupe de la population par tranche. Cette Population couche estimates. Many countries are struggling de with. l'âge de la population, la réalité, c'est que plusieurs pays ont des difficultés avec cette variable. Ici, ce n'est pas pour faire une enquête sur les ménages, mais on a les données sur l'estimation de la population. Maintenant, il y a des prévisions par rapport à la population et nous essayons quand même d'être le plus précis possible. So, what I'm going to do is I'm going to open up a population layer, and let's say I want to see population of children Maintenant, je under suppose que je veux voir la population des enfants qui ont moins de 5 ans. Well, this is extremely easy now. This Zone is something de that all capture. countries are using DHIS 2.38 or newer, Tout which ce is the vast que je majority vais of faire you. avec DHIS2, If you're not using et s'il 2.38 or ne newer, pleut pas ici. then you really need to upgrade. Well, come on, Jill. All right. So you can see here, I have all of my population Vous disaggregation. voyez, j'ai déjà la population qui a 01, été choisie. 04, so on On and so a forth. les garçons de And 0 à 1 an, de 1 à 4 ans, sum and the mean. The mean de is an 0 à 1 an et de 1 à 4. Je peux So probably décider not going qu'il to be y using ait a lot of folks. I'm just going to somme turn that one off. de I'm toutes. going to turn on the population for Sierra Leone. Je choisis la Population data période. analysis projections was 2020, so a La little out of dernière fois qu'on a extrait les données, c'était en 2020. And then I'm going to Donc, choose année 2020. not district. I'm going to go down to facility, and then I'm Et going to choose use associated geometries. on This va is essayer de voir les chiffres. many of you have On va choisir les zones de areas. capture. Combien d'entre vous avez intégré les zones de capture dans votre cartographie? Non, je vous pose une question sérieuse. Parce que cette version est disponible depuis 2 ans maintenant. Alors, vous avez les données séparées. Donc, par rapport à la zone de capture, je vais revenir et en parler. Ici, on a des informations de la société CrossCatch. Nous n'avons pas ces données pour avoir les données sur les zones de capture, mais nous avons besoin de ces zones. Nous avons quelques problèmes de connexion, c'est pour ça que cela traîne un peu, mais on a besoin de connaître la population, la zone géographique et les personnes qui viennent dans les centres de santé. C'est un peu trop lent, pardonnez-moi. Donc, chacun représente une zone de capture. Maintenant, cela vient de l'organisation CrossCut et ils peuvent générer des données sur la base de la qualité de la zone géographique, etc. Alors, ils nous génèrent des zones desservies ou des zones de capture et ça donne de la flexibilité dans l'application DHIS2. Alors, ici, nous voyons les meilleurs chiffres disponibles. Donc, voilà les zones desservies. Je vais essayer de zoomer. Et vous pouvez voir que lorsque je fais du zoom, je vois maintenant la cartographie selon la population. Alors, ces centres de santé nous donnent là où se trouvent les gens, la population.
Et vous voyez les enfants de moins de 5 ans qui ont une population de 4394. Ce n'est pas spécifique pour la Sierra Leone, tous les pays peuvent le faire aujourd'hui. Si on utilise au moins la version 38 du DHS, vous n'avez rien à ajouter à cela. Au lieu d'utiliser le Crosscut App pour pouvoir identifier les zones desservies, voilà ce qu'il faut faire. Pour plus d'informations et à la couche que je viens de cliquer, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de voir si les zones desservies sont proches des zones où les gens vivent et si vous mettez en place cette couche qui est le Building Footprint Layer. Ça vous permet d'avoir plusieurs informations. Donc, je peux ajouter cette couche également, c'est-à-dire cette variable. Ça prend quelques secondes pour charger. Donc, voilà le résultat. Vous voyez qu'il y a la zone, oh, la couleur orange qui vient s'ajouter. Ça, c'est les bâtiments. Donc, vous voyez, quand j'essaie de zoomer. Vous voyez, ici, on voit tous les bâtiments. Donc, maintenant, si je clique pour avoir la population, voilà la population qui correspond à ces bâtiments. Je peux également voir les populations ou le nombre de bâtiments par zone desservie. Et j'aimerais dire que les zones desservies, ce n'est pas juste pour les centres de santé, il peut en avoir pour les écoles, les zones d'investigation, tout ce que vous voulez. Alors, nous pouvons voir les bâtiments selon les zones desservies ou les zones de capture. Et également les fonctionnalités génériques. Ça, c'est pour l'application de cartographie que je voulais présenter. Maintenant, on va essayer de changer d'application pour entrer dans l'application de visualisateur de données ou Data Visualizer. Ce que je vais faire ici, vous voyez que la page a changé. Je vais aller voir une fonctionnalité par rapport à l'analyse des données de qualité. J'ai fait une présentation hier, j'en ai parlé, mais j'aimerais rappeler une partie qui est très importante pour ceci. Donc, je vais aller dans le diagramme de dispersion ou le scatterplot. Est-ce que vous avez déjà essayé de le faire? Vous vous êtes dit que ce serait une présentation pas comme les autres, n'est-ce pas? Donc, comme je disais, cette fonctionnalité existe depuis quelques années. C'est une fonctionnalité très intéressante que nous avons dans le DHS. Ce que nous allons faire, c'est que je vais cliquer sur ANC First Visit. Après, je clique sur ANC Second Visit parce qu'il y a une différence entre ANC 1 et ANC 2. Parce qu'il y a des variables. Donc, vous voyez la Sierra Leone ici. Je n'ai pas changé mon unité d'organisation. Donc, vous voyez les centres de santé. Je clique sur l'analyse des et valeurs aberrantes. Et vous voyez, il y a plusieurs méthodologies. Vous n'avez pas besoin d'être un statisticien pour pouvoir faire ce travail. Maintenant, je clique sur Interquartile Range et c'est une manière robuste de pouvoir détecter les aberrations ou les anomalies. Donc, nous cherchons les données qui sont distribuées normalement. Nous avons également Z-score ou le score standard et le modified Z-score. C'est les trois que nous avons ici et je peux vous dire que le Z-score, c'est ce qui est le moins robuste. Donc, nous recommandons le Interquartile Range et c'est pour ça que je clique là-dessus et je lance
Cela, vous voyez le résultat, ça applique une certaine moyenne et donc j'ai le seuil. Vous voyez tout ce qui est ici, j'essaie de zoomer pour que ce soit plus clair. Donc, vous voyez, chaque centre de santé ici, c'est le vert. Ceux qui sont des aberrations sont en rouge. Donc, je vais repartir ici pour voir pourquoi est-ce que ceci est si aberrant en haut. Donc, vous voyez, je clique en 4681 visites prénatales et seulement 1780 pour la deuxième visite. Vous voyez, il faut chercher maintenant à savoir si c'est des vraies données ou pas. Peut-être que c'est des données fausses, mais c'est très, très inhabituel. C'est pour cela que c'est représenté comme une valeur aberrante. Donc, statistiquement, c'est peu probable. Donc, il faut faire un suivi. Vous voyez ici également, vous voyez, c'est UMC. Ils ont dit qu'ils ont 1400 premières visites prénatales, mais on a 6288 deuxième visite prénatale. Vous voyez, c'est impossible. 1400 ne peuvent pas visiter la première fois et 6000 la deuxième fois. C'est veut dire qu'il y a un problème par rapport à la capture des données. Donc, il y a des impacts. Des indicateurs clés d'impact qui sont dans ce type de tableau. Parce que ici, on voit les différents indicateurs. Maintenant, comment on fait? On clique sur les aberrations, on clique sur les lignes extrêmes, on met 1%, ce qui veut dire que ça va mettre une ligne qui sera en bas de 1% pour ANC1 et ANC2. Et vous voyez tout ce qui est en haut de cette ligne et ce qui est en bas, c'est des aberrations tellement grandes que ça ne doit plus figurer dans vos stats. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que vous allez utiliser alors ces données-là qui sont des aberrations? Est-ce que vous êtes heureux de voir cette nouvelle fonctionnalité que nous allons ajoutons pour l'analyse pour vous faciliter le tri des données aberrantes. Donc, comme je dis, nous sommes en train de mettre plusieurs outils dans le visualisateur pour vous faciliter la tâche. Donc, vous pouvez sauvegarder ceci, mettre cela dans le tableau de bord et très rapidement, ceci se retrouve dans le tableau de bord générique. La deuxième chose que j'aimerais qu'on voit, je n'aimerais pas me répéter, mais on a toujours dit que la répétition est la mère des sciences. Donc, je clique ici, je choisis Outlier Table et DHIS2 fait un calcul rapide des aberrations directement pour vous. Autant d'unités d'organisation que vous voulez, la période que vous voulez, la valeur que vous voulez, etc. Donc, il y a une certaine optimisation. Donc, vous pouvez rapidement voir les données. Maintenant, c'est quoi la différence entre les aberrations ou les outliers que vous voyez ici et ce que vous voyez de l'autre côté? Vous voyez les UMC dont on parlait, qui était une aberration, se retrouvent ici. Non, deuxième visite à ANC, c'est cela nous dit que on se retrouve à 1669, mais la moyenne, c'est 749. Ici, on voit l'aberration qui était dans la cartographie, mais ça se retrouve également dans le tableau. Maintenant, la différence, c'est que on calcule on fait la comparaison de deux variables dans l'autre cartographie, mais ici, on compare juste une variable par rapport à elle-même. Donc, c'est une certaine moyenne historique. Donc, les statisticiens se demandent s'il y a toutes les données qui ont été prises en compte pour cette unité d'organisation-là. Donc, c'est une question de mesure parce que toutes les données sont disponibles. Maintenant, je vais ajouter quelques détails avant de passer la parole au prochain orateur. Ici,
Je veux vous présenter une fonctionnalité que nous avons ajoutée parce que quand on parle des pays, la plupart des retours qu'on a, c'est que les gens veulent que le tableau de bord soit plus attrayant. C'est ce qu'ils nous disent. Ils veulent que le tableau de bord soit un peu plus beau, quoi. Et ce n'est pas très, très spécifique. Ça ne nous aide pas. Comme retour d'information, j'aimerais vous le dire clairement. Mais ça signifie que généralement, on veut des indicateurs comme si c'est, vous dites cela, c'est clair. Si on veut des légendes, voilà, c'est clair. On comprend si les choses sont mieux ou pas. Maintenant, ce que nous avons découvert, ce que nous avons apprécié durant les dernières utilisations, je clique sur la couverture CPN ou ANC, c'est-à-dire la consultation prénatale. Vous voyez, c'est un taux très élevé. Donc, le type de valeur unique, c'est ce qui est le plus utilisé. Ça se retrouve souvent dans la plupart des tableaux de bord. C'est ce qu'ils utilisent, utiliser une valeur unique. Là, quand on regarde en un coup, on voit directement ce dont il est question. Maintenant, quand on veut rendre le tableau de bord un peu plus beau, on a ajouté des légendes. Donc, je clique Utiliser des légendes pour les couleurs du graphique. Et voilà, il y a plusieurs options qui sont disponibles. Je peux cliquer sur Use Predefined Legend by Data Item, qui signifie utilisation de légendes prédéfinies par l'élément de données. Vous pouvez également sélectionner votre propre légende. Les légendes sont mises en place par l'administrateur système. Vous ne pouvez pas mettre cela, incorporer cela vous-même. Le pourcentage, c'est un peu ridicule, donc on va essayer de changer l'unité d'organisation. Thanks, Kim. Merci, Kim. I just want to point out this is better. Voilà, ceci, c'est Maybe mieux. it's your because Kim harassed me for like 2 years. Ce chiffre We want them pretty, and we make them pretty for Kim. est plus agréable, c'est ce que Kim a demandé. Et voilà, vous Service voyez un Worker peu chart, the background is que automatically updated. le fond a Move changé this over to the automatiquement. dashboard, I can make Et it je just peux like mettre that. cela dans le tableau de bord, rendre cela un peu plus gros et je peux l'avoir dans toutes les couleurs que je veux et je peux même intégrer cela dans les colonnes pour pouvoir voir les différents indicateurs. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais vous présenter avant de donner la parole à Nancy, c'est qu'une des demandes qu'on a reçues depuis des années, c'est de rendre des HIS2 comparables à Excel, à une feuille de calcul Excel. OK, il n'y a pas de problème. On a accepté, ça va. Maintenant, quand on a essayé de faire des recherches, on a vu qu'on ne peut pas transformer des HIS2 en Excel, mais on a quand même fait des efforts pour découvrir que ce que les gens veulent, c'est la flexibilité de calcul que la feuille de calcul Excel offre. Donc, ici, le HIS2, on n'a pas les accréditations pour faire certaines modifications des indicateurs. Et pour pouvoir faire cela, on a besoin d'un très haut niveau d'autorisation venant de l'administration système. Donc, on peut ajouter des données, mais on ne peut pas changer d'indicateur facilement. C'est pour ça que les gens téléchargent cela dans Excel, font les calculs et ramènent cela dans le DHSE parce que Excel est plus facile pour eux. Donc, maintenant, on a compris que les gens veulent pouvoir faire leurs calculs personnalisés. Et donc, voilà, je clique sur District et seulement deux. Permettez-moi de désactiver les autres. Voilà. Maintenant, j'ai les CPN et les différentes visites.
Donc, supposons que je veux faire un calcul des visites de consultation prénatale. Donc, quel est le meilleur exemple? Quoi, la couverture peut-être? On voit première visite de consultation prénatale. Expected pregnancies. Donc, les grossesses attendues. On a un certain nombre de grossesses et attendu le nombre de premières visites de consultation prénatale. Non, maintenant, on va essayer de faire le calcul. Ceci, c'est la version 39. Personne n'utilise cette version dans cette salle? Wow, il faut tester cela parce que c'est ça en jette. Est-ce que vous savez même qu'il y a cette fonctionnalité qui est disponible dans cette version? Bon, vous savez, mais vous ne l'utilisez pas. Il n'y a pas de problème. On avance. Je vais faire la démo. Je vais vous faire parcourir cela très rapidement. Alors, ce que je peux faire ici, c'est de faire des calculs sur la base des éléments de données auxquels j'ai accès. Donc, je clique deux fois. Vous voyez que ça vient de ce côté. Je peux dire ANC1 divisé par. Vous voyez, j'ai cliqué sur le symbole de division et je mets expected pregnancies, la grossesse attendue. Ça n'a pas trop de sens, j'aurais dû mettre une parenthèse là. Et après, je multiplie par 100. Vous voyez les chiffres? Donc, j'écris le chiffre et je dois donner un nom. Donc, j'appelle cela ANC1 coverage. Vous voyez, il y a ANC1 coverage calculation qui est là. Et donc, vous voyez, voilà le calcul qui est fait automatiquement. Qu'est-ce que vous en pensez? Des acclamations? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mieux vaut tard que jamais. Donc voilà les calculs que nous avons réussi à intégrer dans la plateforme DHS2. Donc voilà. Je peux changer la présentation. Est-ce qu'on peut télécharger cela? Oui, je peux transformer cela en tout type de tableau. Je peux choisir les lignes. Ça n'a pas trop de sens. Voilà les unités de l'organisation. On va essayer de changer le mois dernier. On met les 12 derniers mois. Donc, on le met à jour. On va essayer de changer les unités d'organisation et la catégorie. Donc, on voit la ligne par sur les 12 derniers mois, les axes. Donc, les séries, mais cela suit l'axe 2 parce qu'on voit le pourcentage. Il y a les grossesses attendues, les visites prénatales numéro 1, etc. Je crois que c'est bon. Voilà, je crois que j'ai été assez sommaire. Mais pour continuer, nous avons essayé de faire quelques changements et des améliorations avec la manière dont on met en place le tableau de bord et des fonctionnalités additionnelles. Donc, je vais également montrer cette l'application Line Listing, qui est la liste de lignes. Donc, je choisis les différentes variables, comme vous le voyez à l'écran.
Premièrement, je vais voir les personnes parce qu'on est en train de faire le tracking. Est-ce que vous utilisez même cette fonctionnalité? Il y a quelques mains qui sont levées, alors c'est bien, merci. Super, il y a quelques personnes qui l'utilisent. Si vous utilisez l'ancienne version du line listing, parce que cette version a été mise en place la semaine dernière, nous avons essayé d'optimiser l'expérience utilisateur pour faciliter l'utilisation. Avant, c'était juste pour les événements et les inscriptions. Maintenant, on a ajouté l'entité traquée. Et donc, vous voyez maintenant à gauche, on peut faire la mise à jour pour que cela puisse refléter les dimensions du programme que j'ai choisi. Si j'ai cliqué sur la dimension des personnes, on a essayé de l'associer à l'entité traquée. Ici, on parle des personnes. Donc, ici, je clique sur des variables. Et après, je clique sur Program Dimension et j'ai tous les programmes où les personnes suivies sont prises en compte. Alors, j'ai le programme de tracker 1. Je prends les 12 derniers mois. Et voilà tous les éléments de données qui sont liés à ce programme. Ici, je sais juste choisir quelques-uns pour vous faire la démo. Je clique sur le programme numéro 2. J'espère que ça marche. Ça a marché le lundi. Bon, ça n'affiche pas comme cela se doit, mais bon, ce qu'on est en train de dire, c'est la liste de toutes les entités qui sont sujettes au tracking. Vous voyez que ceux-ci n'ont pas de données, elles relient au programme. C'est pour cela que ces zones sont barrées, ça veut dire qu'il n'y a pas de données enregistrées. Mais je suppose que j'ai dévié du processus que j'ai adopté le lundi. C'est pour ça qu'il n'y a pas des informations. Je crois que je vais m'arrêter ici et passer la parole à Nancy qui va essayer de faire une présentation plus professionnelle. J'aimerais juste souligner, j'aimerais souligner à quel point c'était vraiment difficile de travailler sur ces fonctionnalités. C'est une application qui a connu beaucoup, beaucoup de modifications. Et on a reçu du feedback, mais l'une des choses que nous avons remarquées, c'est la transition vers de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles applications. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous essayons de le faire avec l'équipe de communication. C'est un kit de transition qui a été développé avec des vidéos, des fonctionnalités. C'est une vidéo qui montre les différences entre les anciennes applications et les nouvelles, et ça vous permet de voir les nouvelles fonctionnalités. Il y a aussi une autre fonctionnalité, la liste linéaire. Il y a une démonstration qui est ouverte pendant 14 jours. Donc, si vous voulez tester et manipuler les nouvelles fonctionnalités, c'est l'une des initiatives sur lesquelles nous avons travaillé.
Donc, vous pouvez visionner le line listing kit et le mercredi, on va y revenir. Donc, nous pouvons utiliser les fonctionnalités qui sont là-bas. Comme ça vient d'être illustré, il y a beaucoup de fonctionnalités avec Android. C'est généralement 2 ou 3 ans après que nous commençons à recevoir des feedbacks. Nous avons besoin davantage de feedback aussi rapidement que possible. Parce que 2 ans, 3 ans après, peut-être que le feedback n'est plus pertinent. Donc, on vous invite à tester les nouvelles fonctionnalités de DHSD, essayer de les tester et essayer de nous envoyer des feedbacks immédiatement. C'est vraiment très important pour nous. Essayez de les tester et de nous envoyer vos feedbacks. Donc, l'adoption est très lente. La majorité des requêtes que nous recevons par rapport à la fonctionnalité, ça concerne les fonctionnalités que nous avons déjà développées. Donc, ne demandez pas quelque chose qui existe déjà. Hein, voilà. Ne demandez pas quelque chose qui existe déjà, s'il vous plaît. Bon après-midi. Merci beaucoup, Scott. Nous allons parler des analyses, des outils d'analyse Android. Et ça a une utilisation un peu différente. Ça concerne les analyses, bien sûr. Nous allons nous focaliser sur la saisie de données, à quel point c'est vraiment utile lorsque les utilisateurs essaient de saisir les données dans la base de données. Je vais commencer par les informations générales et par rapport aux visualisations. Visualisation, c'est un nom qui est donné à tout graphique, les colonnes, les histogrammes, les lignes, les radars, etc. Ou en tableau. Nous faisons les calculs de manière locale avec les données qui sont disponibles dans les appareils. Ce sont des analyses qui sont là de manière instantanée. Dans votre. Si vous n'avez pas, par exemple, de données dans vos appareils, vous ne pourrez pas utiliser ces applications. Comme Scott l'a montré, c'est un graphique que l'utilisateur peut utiliser pour voir si les données sont OK ou s'il y a besoin de faire des changements. Et l'objectif principal, c'est de soutenir l'utilisateur dans la saisie de données, de soutenir la prise de décision au niveau le plus bas. Donc, il y a un autre élément, nous devons les configurer en utilisant les paramètres Android de l'application web et je vais vous montrer comment cela marche dans un instant. Avant 3.0, il y avait des visualiseurs, il y avait des analyses des visualiseurs de données. Il y avait des graphiques et des histogrammes, mais avec 3.0, il y a également les listes linéaires. Les listes linéaires sont disponibles et je vais vous montrer certaines contraintes auxquelles nous faisons face. Pour le visualiseur de données, il y a des colonnes, il y a des lignes, il y a des histogrammes, il y a des tableaux croisés dynamiques, des valeurs uniques, radar. Et pour la liste linéaire, il y a des événements et des entrées d'enrôlement. Par rapport aux dimensions temporelles, on utilise des périodes relatives. Pour le visualisateur de données, il y a un maximum de tout par ligne. Pour la liste linéaire, il n'y en a pas. Et pour les dimensions des colonnes, c'est également 2 pour le visualisateur de données. Voilà, je vais vous montrer ça dans la démo, mais juste un petit résumé.
Vous utilisez une interface de l'application et il s'agit de 5 étapes. D'abord, vous sélectionnez le type de visualisation. Ça pourrait être un événement ou des données. Et puis, vous sélectionnez la visualisation. Vous ajoutez un titre alternatif parce que des fois, il y a des noms qui sont vraiment très longs et le chargement ne sera pas facile avec Android. Et puis, vous ajoutez une visualisation dans un groupe et puis vous enregistrez. Donc, l'enregistrement, c'est la dernière étape. Certaines fonctionnalités spécifiques de l'application que nous allons voir pendant la démo, pour le visualiseur de données et la liste linéaire, il peut y avoir des groupes. Et vous pouvez avoir autant de groupes que vous voulez et vous pouvez aussi avoir autant de graphiques que vous voulez. Il n'y a pas de limite par rapport au groupe. Vous pouvez également filtrer pour le visualisateur de données, vous pouvez filtrer selon les périodes ou selon l'unité d'organisation. Maintenant, pour les listes linéaires, vous pouvez faire une recherche avec n'importe quelle colonne du tableau. Donc, c'est une fonctionnalité de recherche, je l'ai montré hier. Donc, comme je venais de le dire, vous pouvez choisir n'importe quelle colonne. Il y a bien sûr des informations utiles que vous pouvez trouver dans nos bases de données. Je vais faire une démonstration en utilisant mon ordinateur. Merci. Ce que je vais faire, je vais vous montrer le processus de sélection de graphique et comment on le modifie. Je vais utiliser ce graphique, graphique que vous voyez à droite. Je dois m'assurer que je couvre tout, mais je résous toutes les limites de l'Android. Donc, je les contourne, je veux dire. Donc, pour les unités d'organisation, je dois m'assurer que j'ai une unité d'organisation relative, c'est-à-dire celle de l'utilisateur. Et puis, pour la période, ça dit cette année, je peux changer, mais je vais garder cette année. Je vais aussi vérifier si c'est partagé de manière appropriée. Je peux maintenant aller directement au niveau de l'application web, au niveau des paramètres Android. Vous allez voir cette icône et puis vous allez avoir la section des analyses. Puis, pour le visualiseur de données, vous pouvez l'ajouter à n'importe quelle icône. Vous allez voir en bas une icône pour les analyses et c'est la même chose pour la page d'accueil et pour les ensembles de données. Si vous mettez votre type au niveau de la page d'accueil, ça veut dire que je peux le mettre n'importe où, mais ça ne va pas se faire automatiquement. Il faudra le faire manuellement. Pour la liste linéaire, on l'accepte seulement au niveau de la page d'accueil, mais non au niveau des ensembles de données. Alors, ce que je dois faire, voilà, au niveau de visualisation de l'accueil, il y a type de visualisation, et puis j'essaie d'analyser la nutrition, donc l'item de visualisation. Je dois choisir l'item de visualisation. Voilà ce que j'ai choisi, et puis je peux ajouter le titre. Peut-être je ne vais pas utiliser le groupe. Et puis j'enregistre. Voilà.
voilà les différentes étapes par lesquelles il faut passer. So I need to sync the configuration. Je dois synchroniser la configuration. Voyons voir. So in the meantime, if you have any questions, you can sub me an ask. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais également créer un tableau de listes linéaires, comme je le disais. Et on ne supporte que l'événement 1 et l'enrôlement. Donc, je peux choisir le programme tuberculose et visite et tuberculose. Vu que cet utilisateur a une seule unité d'organisation, je peux l'utiliser comme un filtre et je peux ajouter un indicateur de programme, mais on peut utiliser un attribut de programme, prénom, nom, le genre, donc les éléments que vous voulez voir. On peut également choisir certains éléments de données. Y a des informations là-bas et après, on enregistre. On tape le nom et on enregistre. Nous devons nous assurer que c'est partagé de manière appropriée. C'est très important. Et c'est le même processus. On retourne en arrière au niveau des paramètres Android de l'application web. In this case, maybe I want to do it in the Ce cas, peut-être, je vais le faire au niveau Okay, du so I have programme et au lieu de le faire au niveau de created a l'accueil, je local sélectionne TB la program visualisation de l'événement, je cherche le in the programme et local c'est le TB programme program. tuberculose. Et puis, je mets Where le is thème de it? visualisation. Okay, let's see. Did I not save it? Peut-être que je ne l'ai pas enregistré. What the what? No, but I think I didn't save it. Je pense que je n'allais pas enregistrer. Oh no, it's there. Okay, let's refresh it here as well. Actualiser. Type de visualisation. Je suis de l'événement, programme est tuberculose. Puis au niveau du thème de visualisation, il y a un souci. Il y a un souci. Okay, so sir, no, why? Ça n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. Okay, so I have a plan B since J'ai un plan this didn't happen, of B. course. Vous savez, ce sont des choses qui arrivent. So I'm going to show you real quick Je vais where vous we have, montrer as très you can rapidement. see here, I already have J'ai some déjà, other comme vous pouvez le voir, line listing. d'autres So it was a listes graphic, I can show linéaires. you that. C'est un Okay. autre graphique. Je peux So vous le if I go to montrer the top program, entre-temps. you will Je see vais here au at the bottom of programme the screen, pour les we enfants. have Vous voyez en bas, vous maps, voyez des the recent icônes. events, Il y a la the liste, tour il y a map. les analyses, il y a les You'll see cartes. Si vous ouvrez les in analyses, this vous pourrez voir columns that la I liste toute added to entière the avec screen. les différentes In the left colonnes of the que j'ai screen, ajoutées dans la configuration de la but liste you can linéaire. check by any of the Vous other columns pouvez that I chercher added. What I want to en show you utilisant is n'importe quel paramètre. Est-ce que je going to the voulais top vous screen. montrer? Peut-être ce n'est pas le bon moment And it de will show vous you le the montrer. map. Si je supprime les données locales And I go back. et que je retourne en arrière, And I open the analytics, then I will be able to puis see j'ouvre any les changes analyses, je ne because pourrai voir it is
aucune information, parce que les informations sont générées lorsque j'ai quelque chose dans mon appareil, lorsque j'ai détonné dans mon appareil. Étant donné qu'il n'y en a pas, donc voilà, je ne peux rien voir. Je ne sais pas si vous avez des questions.